bah, c'est Chef Show et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Hein? Ah oui. N'oublie pas de t'abonner, surtout de liker la vidéo. Merci pour ce rire très spontané de mon collègue. Ouais, bah, c'est génial. Allez, chut, allumez le feu, ça dégage. Alors, on va faire un truc aujourd'hui. Appelez les pompiers, hein, parce que là-haut. Il flamme! Non, t'es connerie. Ça file ta gueule? Ah oui, c'est vrai, en plus, c'est ma gueule, ouais. Bon, alors, donc on se retrouve sur la chaîne de Vélosophie. Vélosophie, qu'est-ce que c'est? C'est pas Sophie qui a un vélo, je vous rassure. C'est une blague de merde, ça. Ah, oh, c'était une blague de merde. Ok, autant pour moi. Il revient avec son briquet. Oh merde. Ah ouais. Revenons à nos terroirs. Donc, je fais chier. Bon, alors, ici la chaîne de Vélosophie. Faudrait peut-être te montrer comment vous abonner. Je suis ta mère. Bon. Vous allez dans playlist pour ceux qui ont Sony Vega Pro 13. Playlist, vous arrivez ici, tout simplement. Vous allez après, une fois que c'est chargé, on va attendre un petit peu. Voilà. Donc là, désolé, vous allez aller dans, je me bafouille, dans Sony Vega Intro Template. Tout simplement. Je vais essayer de couper le son avant que ça fasse du bruit. Hein, mes amis. Voilà. Donc voilà, vous allez sélectionner votre intro. Que la page est chargée. Donc, par exemple, c'est un exemple tout con. Cette intro, je l'ouvre, je vous laisse la regarder, on verra pour la télécharger. Et moi, j'ai un PC qui rame. Très bien. On va s'arranger deux plus le son, on va prendre cette intro. Comment faire? Bon, par exemple, on va prendre celle-là, un exemple. Vous descendez, vous allez dans la description de la vidéo. Vous faites plus, voilà, de cette manière-là. Vous allez dans Download. Vous allez juste ici, vous cliquez sur le lien, ça va vous ouvrir un onglet. Et vous allez tout simplement télécharger l'intro. Fermez YouTube. Voilà. Vous allez descendre. Vous allez cliquer sur le bouton. Désolé, il y a eu une coupure de son, on sait pas pourquoi. Donc, voilà. Donc, je disparais, on va dire ça comme ça. Et je reprends la narration du film comme ça. Donc, vous arrivez sur le lien. Tout simplement. Vous allez avoir un petit décompte de 30 secondes. Merci pour ce SMS. Un petit décompte de 30 secondes qui va s'afficher dans un rectangle rouge. Voilà. Donc je vous reprends quand ces 30 secondes sont terminées. Voilà, donc les 30 secondes sont terminées. On va enlever le carré rouge. Donc on clique sur Sony Vega, voilà. On arrive sur un lien Mediafire, pardon, excusez-moi pour cette petite bafouille. Donc on télécharge et on se retrouve tout de suite sur mon bureau avec le dossier WinRAR téléchargé. Donc nous voilà sur le bureau. Donc vous ouvrez le dossier WinRAR. Vous allez prendre les trois chaises qui se trouvent à l'intérieur et les glisser sur le bureau. Tout simplement, je vous mettrai le lien de WinRAR dans la description de la vidéo. Et vous allez ouvrir openthis.veg, tout simplement. Donc c'est dingue. Donc voilà, là on se retrouve quand c'est ouvert, tout simplement. Voilà, on va agrandir l'image. Puis on va tout simplement, par la suite, hein, dans le logiciel... agrandir la timeline. Donc vous allez en bas à droite, cliquez sur plus, vous agrandissez et vous arrivez de la timeline de votre film, de votre intro. Donc là vous avez votre intro qui se lance tout simplement. Vous allez cliquer sur le petit carré vert qui se trouve juste ici. Voilà.
une fenêtre va s'ouvrir et vous allez tout simplement remplacer le Your Name par exemple, le Shop Show, hein, le nom de ma chaîne, par exemple. Tout simplement. Une fois que c'est bon, vous allez regarder votre intro et vous allez voir ce que ça donne. Toujours en petit, hein, en haut à droite. Tout simplement. Mais là, on se rend compte que Shop Show dépasse de la bulle. Du cercle, voilà, on se rend compte que ça dépasse. Je vous le mets en grand, mais avec une qualité médiocre, hein, parce que c'est toujours à partir du logiciel. Si vous le voulez en bonne qualité, vous allez l'avoir à la fin de la vidéo, pardon. Donc, tout simplement, on va sélectionner notre texte et réduire sa taille de la même façon qu'on a fait au début pour le créer, en descendant dans les chiffres. Voilà, et normalement, on se rend compte que ça passe. Donc là, on se rend compte, si on lit notre vidéo, que le texte rentre dans la bulle. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo, hein. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va rendre la vidéo au format suivant, donc je vous le montre, il va s'afficher. Voilà, donc Sony Tablette 1080p. Donc je vais décocher la case des favoris, comme ça vous allez tout de suite voir à quel endroit il se trouve. Voilà, dans le sous-dossier de celui-là, tout simplement. Vous allez renommer pour l'extraire sur le bureau, par exemple. Donc on va renommer, on va faire... je sais pas moi, test par exemple, un exemple, un tout con, voilà. Vous allez faire rendre, et puis on se retrouve tout de suite quand c'est rendu, et puis en gros, ça va se lancer tout seul en full HD, et ça va être le kiff total. Donc mes amis, à plus tard, et bonne soirée.